Salut à tous les amis, c'est Skyxid, on se retrouve en compagnie de, bien évidemment, Rias, Eris, Diaz, R.E.D, Red. Et nous allons donc continuer sur ce nouvel épisode. Dans la fois précédente, on s'était arrêté ici. J'ai avancé, alors non, hein, spoil pas s'il te plaît, merci. J'ai avancé de 4 quêtes, donc on avait fait la première quête de celle-là, et j'ai fait les deux dernières quêtes, et j'ai commencé les deux premières quêtes ici. Parce que moi je connais le jeu, je connais par cœur. Donc je peux directement vous emmener à la Ancient Waterway, l'antique voie navigable en français. Oh là là, profitez de la musique, franchement, oh là là, j'adore. Génial, on peut descendre? Non, on peut pas. Ils en sont où, tiens, eux? Parce que oui, c'est une nouvelle guilde, hein. Non, mais je veux pas te parler à toi. Je veux parler au panneau. Je peux parler à... Ouais, c'est dur, hein. 51! Ils sont déjà au palier 51! Sur 200. Scar. Ah, il y a Dolos. Oh, Adrien. Ok, ah ouais, mais ils avancent bien. Ça farme bien, dis donc. Est-ce que le premier niveau, c'est toujours le même? Normalement, je crois que c'est Spriggan, le premier. Ah non, il a changé, effectivement. L'ordre des machins, il change. Tous les mois. Mais du coup, c'est tous les donjons qu'il y a dans le mode héros, quoi. On est d'accord. Puisque ça contient l'ancien mode héros. Mais ils savent pas s'ils vont mettre les donjons de Lionode. Bah déjà, s'ils pouvaient mettre tous les donjons du jeu là-dedans, ça serait cool. C'est l'expédition de guilde après tout. L'ancien mode héros, il comprenait... Bah, il comprenait tous les donjons de Barth, Altera, Besma et Elder aussi. Si c'est, s'il parle de l'ancien mode héros. Faudrait que je vérifie parmi ceux qu'ils ont débloqué s'il y a ça. Tu vas voir ça après. Parce que ça m'intéresserait de savoir si parmi le mode héros, ils ont remis les anciens donjons ou pas. Ceux de Elder jusqu'à Barth, ceux qui ont été supprimés après. Oh, ce serait tellement bien qu'il les ait remis. Anyone doit... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le maître? Oh, c'est pas le maître, mais... Guild Expo Donjon. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas le level. Faut que je sois 85 minimum. Je vais peut-être garder cette guilde. Et dès que je serai 85, j'accepterai cette demande. Et on va faire un... Expédition de guilde. Pour vous montrer un petit peu... ce que ça donne. De toute façon, l'expédition de guilde, on l'a bientôt. Hein. Techniquement, c'est dans... 2 semaines chez nous. Après, comme je l'ai dit à l'instant, hein, ça prend l'ancien mode héros. L'ancien mode héros, il y avait les donjons de Ruben, non, de Elder. Donc ça commence à la forêt obscure jusqu'à Adrien. Toujours Adrien, Solas n'y est pas parce que Solas en mode héros c'était une horreur à l'époque et ça l'est toujours aujourd'hui. Déjà, de toute façon, vu le nombre de joueurs qui ne comprennent même pas les patterns de Solas, vaut mieux pas qu'ils soient en mode héros. Oh non, vaut mieux pas. Parce que vu le nombre de joueurs qui ne savent pas combattre Solas, on aurait le droit à une belle hécatombe. Non, mais je pense que Solas serait le boss le plus meurtrier du mode héros. Donc vaut mieux pas le mettre en mode héros. Pour votre santé mentale. Oliver Magré. Eh, c'est pas un mec qui existe, ça? Un mec de film ou je sais plus quoi? Pas sûr. Putain, on va le faire nos skills, ce donjon, on dirait. Vas-y, on le fait nos skills, ce donjon. Nos skills. Ah non! Bah non, j'ai utilisé le phénix au début. Bon bah, nique. Un autre jour. Enfin, c'est l'ancien donjon héros, mais en fait, ils ont pas les mobs, y a pas les mobs violets. C'est juste le donjon, en fait, à chaque fois que tu montes en niveau, t'as de plus en plus de debuffs, c'est tout. Et le donjon a lui aussi un, entre guillemets, un up des mobs. Par exemple, des éclairs tombent aléatoirement. Ou par exemple, quand tu tues les mobs, ils explosent tous. Mais genre vraiment, c'est véridique ça. Hein. Y a d'autres conneries aussi, genre je crois les ennemis sont en full protect KO tout le temps. Enfin, c'est que des conneries comme ça. Mais non! Oh l'enculé! Alors ça, tu vas le payer de ta vie. T'aurais jamais dû faire ça. Putain, en plus, j'adore cette animation. Genre le machin, il est parti derrière. Genre il me ciblait. Mais comme je suis derrière lui, le machin, il a fait un 360 noscope là.
Bon, c'est lui le scope, parce que c'est un flingue. Techniquement, ouais, bon. Un 360 scope, ok. Allez. Tu veux bien? Merci. Allô. Voilà. Oh mince, j'ai avancé un peu trop. Bon, ça touche pas jusqu'au bout, bien évidemment. Allez, bute-moi le maximum possible. Oh, bah, il est mort, le stagiaire. Le stagiaire, ouais. Se référer aux Sagittaires. Vous verrez pourquoi. Merde, attends, faut que je mette mon recorder juste devant. C'est mieux comme ça. Oula. Dernier appel. Oui, mais j'ai pas le level, donc désolé. C'est 85 minimum. Il y a la flotte là. Oh putain. For Guild XP donjon. Non, ça XP pas. Hein. L'expédition de Guild, ça donne rien. Ah ok, expo. Ouais, précise expo parce que XP ça n'existe pas dans les expéditions de Guild. Faut pas se tromper. Hein. Oh, le coup critique. 6 barres, je lui ai enlevé, c'est pas mal. Ouais, mais en même temps, c'est tout ce qui lui restait, quoi. Presque oublié mon arme. Oh, ouais. C'est sûr que si tu oublies ton arme, tu vas pas faire grand-chose. Allez, level up. Oh, j'ai un cube. On va l'ouvrir. Avec un peu de chance, il y aura un petit collier qui va donner de l'attaque ou de l'attaque même physique. Non, mais ça, je m'en bats les couilles. J'avais oublié de mettre ça. Et ah, il est parti, le buff. Il est parti. Il vient de partir. Parce qu'au début du record, il était là, le debuff. Alléluia. Alléluia. Putain. Déjà pour commencer. Tristesse. Bon. Oui. Ouais. Encore de la flotte. Toujours de la flotte. Moi, bon, sûr, c'est la dernière fois. Bon, ce n'est qu'un bout. Hein. J'aurais pas dû utiliser la popo. Mais du coup, attends. Non, 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 attends, 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 ah, tout un tas de potions, toutes différentes. On fera la théorie, les gars. Mais oui, avec toutes ces potions. Et je purifierai la lune aussi. Ah, quoi que, attends. C'est des donjons de niveau adapté pour avoir le truc. J'entends me poser la question, mais je pense que oui. Mais oui, mais c'est normal. C'est parce qu'avant le niveau 40, je pouvais pas en avoir. Et qu'à partir du niveau 40, les donjons n'étaient plus à mon niveau. Ok, je comprends. Je ferai ça plus tard. De toute façon, on aura bientôt accès au DS. Je vous rappelle que c'est niveau 70 les DS, pour ceux qui savent. Non. Oui. Est-ce que ça le marque d'ailleurs quand il parle en... Apparemment pas. C'est quoi ça? Ah ok, d'accord. Par contre, ça le marque quand vous allez chez Drabaki. Farman Speak. Ça, c'est de Drabaki. On fera peut-être Drabaki aussi. Hein. Je vais essayer de faire le maximum de trucs. Évidemment, Enir, ça sert à rien. Héros, pourquoi pas. DS, on verra. Bah, DS, c'est obligatoire. On verra, j'essaierai de tous les faire. Au moins une fois. Ils sont pas tous ouverts. Hein. Évidemment, ils sont encore à peu près tous fermés. C'est toujours le mécanisme du 2 par jour. Avec une ouverture journalière. Ça n'a pas changé. En tout cas, ici, ils ont l'air beaucoup plus intéressants. Les gens. Cette guilde m'intéresse. Je vais rester.
Alors, popo, hop. Ah. Du coup, les machins, ouais, évidemment. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'il est tout seul, lui. Allez, popo de mana. Ah, elle, je la déteste. Putain, c'est bien quand même, hein, les gens qui vont former l'expédition de guilde et tout, en sachant que c'est une entrée par jour par personnage. Donc faut y aller avec d'autres persos derrière. Hein. Si chacun y va par deux à partir du level 30, parce que du level 1 à 30, tu peux y aller solo. Donc ça, ce qui veut dire qu'à partir de 31, faut y aller deux par deux. Comme ça, tu débloques le niveau d'après pour le groupe suivant. Enfin voilà, tu comprends le délire. Si t'es une grosse guilde et que les gens sont bien actifs, c'est bien ça. L'expédition de guilde, je trouve que c'est un bon truc pour obliger les gens à farmer un petit peu pour la guilde. Je veux dire, ça c'est intéressant. C'est l'un des seuls moyens qui permettent de farmer les pièces de guilde. Hein. Il y a ça, il y a les guild minigames où on ne peut y aller qu'à deux en truc de guild. Miaou. Dominaten, ok. RIP. Moi j'ai eu que 32, dis donc. Donc en dessous de 32, c'était bel et bien 28, je me disais aussi. Au-dessus, il y a 44. Et après, t'as le 5 fois renforcement. La couille est que c'est... Ah, c'est triste. Il a eu un All Skill Damage plus 28%, ce qui est pas mauvais en soi. Les 3 sont très bons, les 3 pierres sont bien. Mais il l'a eu en violet. Ah, c'est triste. Ça lui sert à rien. Victor. Oui, il s'appelle Victor. Ne me demandez pas pourquoi. Oui, on parle bien de ce gros tas de clous. Victor. Cherchez pas la logique. Vous risquerez de vous perdre. Chez nous c'est Dolos. Tu vois, chez nous c'est déjà un peu plus réaliste. Je veux dire, c'est un colosse, mais de Dolos. J'en sais rien. Un Luchadores, j'imagine. Ah, ils ont peut-être pris le dé de Luchadores et ils ont mis ça sur Colos. Parce qu'il se bat comme un Luchadores, hein, on est d'accord. Il pue la merde surtout. Évidemment qu'on va quitter. On se rapproche de Belmez à grands pas. Oh les tickets, non mais les tickets j'en fais même plus attention. On reste un peu ici pour la musique apaisante. Vous l'entendez pas, mais elle démarre. Vous pourrez en profiter que 30 secondes du coup. Putain, mine de rien, quand je retourne dans les champs avec ces musiques-là, ça... Ah, la nostalgie. La nostalgie remonte, les gars. En vérité, les musiques, elles sont très très jolies. Hein. Oui. Déjà, lui, il est trop haut. Je comprends pas pourquoi est-ce que Karma ne touche pas dans l'intégralité de sa texture. Enfin, c'est un truc que je ne comprends pas. Parce que les pics de Karma touchent, hein. Ça touche, hein, ça là-haut. Là, la plateforme du haut. Mais ça touche à peine. Enfin, les quelques pixels qui dépassent la plateforme, bah, ils sont pas considérés comme piquants. Allez savoir pourquoi. Oui. Ah, le trait plus utile est intéressant. Il a été changé, c'est lui qui a été changé. Il est intéressant. Certes, je perds 12%, mais je fais deux fois plus de coups. Donc au final, c'est un gain. C'est un gain de dégâts. Si ça avait baissé à 50%.
Alors oui, si tu baisses la puissance de, à 50% et que tu fais x2, ça revient aux dégâts d'origine. Mais à 80%, c'est du gain, c'est que du gain. Oui. Oui. Hop là, au revoir. Je crains rien. C'est complètement débile. C'est codé avec le cul. On dirait les Dark Kirito du 75 chez nous. Guild minigame, anyone. T'es niveau combien toi? 80. Mais tu viens de te déco, imbécile. Le mec il demande des gens pour le minigame, mais après il se barre. Intelligent. Tu demandes pas de. Tu demandes pas à faire des runs alors que tu te casses derrière. Je veux dire, c'est logique quoi. Pour moi c'est bien qu'ils fassent des guild minigames. Parce que du coup au moins ça forcera l'entrée dans guild. C'est cool. Non je suis vraiment pour. Je déconne pas, c'est pas de l'ironie pour une fois. Je sais que d'habitude je crache toujours sur coq comme quoi oui le jeu est non. Enfin le jeu c'est de la merde parce que ta 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 ta. Là pour une fois non. Ouais non mais on est d'accord que je suis désolé mais tant que COG ne se décidera pas à augmenter le taux d'amélioration jusqu'à plus 11, hein, augmenter le taux, parce que c'est bien de virer le taux de casse jusqu'à plus 8, mais sans le taux d'amélioration, c'est comme s'ils avaient rien fait. Bah oui, c'est comme s'ils avaient rien fait. Si au moins on pouvait facilement améliorer jusqu'à plus 10, au moins ça, ce serait cool quoi. Je veux dire, pour Elianoth, c'est obligatoire maintenant le plus 10. Et encore, tu peux t'en sortir en plus 9. Si t'as un corps polyanode avec de bons effets. Oui, vous pouvez vous en sortir. Par contre, plus 8, faut pas déconner non plus. Mais plus 8, je sais pas. Moi, le P8, je le prends et je me torche le cul avec. Hein. Même le P9, de temps à autre, je me torche le cul avec. Hein. Parce que si t'es en plus 9, tu vas être dépendant de ton corpo. Si t'es en plus 10, plus 11. Alors, en plus 10, tu es légèrement dépendant de ton corpo. Et en plus 11, tu l'es encore moins. En fait, plus tu montes en termes de niveau d'amélioration, moins tu es dépendant de ton stuff, ton corpo. Et là, malheureusement, actuellement, plus 9, t'es quand même assez dépendant. Quand je dis dépendant, c'est genre sans les effets de ton corpo, tu tapes que dalle. Juste les dégâts bruts, ça suffit pas. Et bien évidemment, avoir un maximum de critiques, dommages critiques. Enfin, ils appellent ça chance de critique maintenant. Donc, il faut avoir assez de chances de critique, de dégâts critiques et de ravages. 200% pour le dégât critique, c'est le maximum. De base, tu commences à 150. Donc, c'est le dégât normal d'une attaque sous coup critique. Et ensuite, t'as le ravage qui diminue la fourchette de dégâts pour que tu aies moins de valeur. Dans l'algorithme qui gère les dégâts. Et moins t'as de valeur, plus t'as chance de taper aux dégâts les plus hauts. Donc c'est très important le ravage. Et bien évidemment le coup critique, chance de critique pour faire popper le coup critique évidemment. Très important. Ça j'en reparlerai durant la vidéo sur le stuff. Parce que oui c'est très très important. Saute pas, merci. Enfin qui écoute ce que je lui dis. Bleu. Pas mal. Ouais, on essaiera de faire au moins un DS de chaque. Le reste, je ferai dans mon coin, bien évidemment. Tout ce qu'il y a à faire dans mon coin, je le ferai dans mon coin. Oh, ça, on peut clean. Donc là, c'est Magmanta. Le donjon est pas très long. Avalanche et Belmez, eux ils sont très longs. Surtout Belmez. Oh là là. Je vous rappelle que c'est quand même 5 mini-boss cette connerie. Avalanche, 2 dont 1 qui sert à rien d'ailleurs. Le glouton de pouvoir, le machin en 3 coups tu le butes. J'ai pas compris pourquoi. Zbleu. Ouh.
Oh, c'est parfait. On a évité de le faire passer dans le... Quoi? Ah oui, d'accord, c'est le truc qui tombe du plafond. Allez chercher la playlist. Oui. Allez, pendant qu'il y a la musique qui joue au pipo derrière. Je dis ça, mais en fait, je sais même pas si c'est du pipo. L'instrument de musique, hein, pas le pipo, ouais, vous comprenez. Oui. Allez, bouffez ça. Mais regarde, il était dedans. Pourquoi il prend pas les dégâts? Pourquoi est-ce que Karma ne va pas plus haut que ça? Non mais, on l'a vu, il était dans l'animation là. Je demande un replay. Il était dans l'animation, mais il a rien pris. Oui. Ah purée, saloperie de poison. Bon. Voilà, ça me démangeait. Ah oui, c'est violent les dégâts contre les boss. Oui. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit tout à l'heure, je m'étais connecté sur un de mes personnages tiers dans ce jeu, donc j'avais une queue de sérielle qui a une arme apocalypse plus 7, vous voyez le délire. Et il y a un mec, je sais pas pourquoi, il est venu me casser les couilles en MP pour me demander « Ouais, pourquoi t'as une apocalypse plus 7 qui est même pas en full pierre du sage ?» Mais mec, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est ton personnage ou c'est le mien? Pourquoi le mec il vient en MP me dire « Ouais, pourquoi t'as une apo plus 7 là? Elle est même pas en full pierre du sage, mais... » Mais je m'en bats les couilles. Et après il ose me dire que mon 7 Elianaut il est pourri, mais... C'est un reroll. Pourquoi est-ce que mon 7 devrait être parfait sur un reroll? Expliquez-moi. Le plus important c'est le main, non? Des fois les gens ils ont du temps à perdre, je sais pas pourquoi. Le mec il vient, il t'aborde et il critique ton stuff. Mais va te faire foutre allègrement. Avec toutes mes plus sincères salutations. Avec tout le respect que je te dois. Va te faire foutre. C'est tout ce que je peux te dire. Je veux dire merde quoi, le mec il vient, il critique mon stuff. Mais je fais comme je veux. Si j'ai envie de mettre des pierres de merde dans mon stuff, ben, je mets des pierres de merde. Surtout qu'en plus il me dit « Ouais, y a un truc héroïque qui est meilleur que ton stuff Elianaut, tu l'achètes pour 5 millions au tableau, il a du dégât... » J'avais déjà du dégât contre les boss sur les chaussures. Je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi le mec il est venu me casser les couilles. Hein. Le mec, je sais pas, il avait du temps à perdre. Non mais des fois faut pas chercher la logique des gens, je les comprends pas. C'est comme les mecs qui viennent en preuve. C'est pareil pour les mecs qui te font des compliments sur ton stuff, je veux dire. Mec, pourquoi tu perds ton temps avec ça, quoi? Encore, t'aurais été dans la même guilde que moi, j'aurais dit ok, ouais, conseille-moi, fais-moi des trucs. Mais genre, le mec, c'est un random total, genre, je le connais pas. Le mec, il sort de nulle part et il critique mon stuff. Mais. Je le répète une troisième fois, mais va te faire foutre! Et ensuite. C'est mon personnage, pas le tien, donc j'en fais ce que je veux et pas ce que tu veux. Attends, on dirait le mec qui voulait contrôler mon perso, quoi. Oui. C'est la même syllabe du début. Non, c'est bon, arrêtez avec ça. T'as bien fait de descendre, toi. Ouh, ils sont partis derrière. C'était violent. C'est bien, du coup j'ai pas pris les effets. One spot left is anyone. Un slot, tu veux dire. Mais t'as quel âge pour pas savoir écrire? Putain, un anglais devrait au moins savoir écrire correctement, non? Même moi qui parle pas anglais de base, je suis pas natif, lui je pense que oui. C'est quand même un ricain. J'écris mieux que lui, quoi. Alors que je suis même pas un natif. Si même les étrangers commencent à écrire mieux que les natifs dans leur propre langue. Mais où va le monde? Non mais il faut vous redonner des cours d'anglais, les gars.
On dirait les gamins chez nous qui savent pas écrire un seul mot en français. Maintenant c'est quoi les mots à la tendance? Ah oui, Starfoula. Voilà, Starfoula. Assalamu alaikum aussi. Ça veut dire bonjour en arabe. Oui. On va se s'arabifier. Allez, venez, prions tous le dieu Maharaja. Non, c'était tellement raciste ce que j'ai dit. Non. Ne le prenez pas mal, hein, mais je rigole. Hein. J'ai de l'ironie. Non, mais on sait jamais, parce que la société est tellement crispée de nos jours que tu dis un truc de travers, c'est limite si t'es pas sur la guillotine, là. Pauvre Louis XVI. C'est pauvre de moi surtout, oui. Pauvre société. Pauvre société de consommation qui n'a pas compris comment gérer sa propre société. Voilà. Faites comme Macron, prenez aux pauvres, donnez aux riches. Voilà. Ça c'est une société. Une vraie. Bah, c'est pas un peu le but de la société de consommation? Wait. Si. Allez, devenons tous macronistes. Alors Macron, un gros cerveau, une petite bite, voilà. Ah, c'était quoi la mission? Non, ça va. 150, c'est... Alors, il y a mieux, oui. C'est pas ouf. Ah si, dungeon playing. Ah putain. Allez, ça touche. Ça touche. Et non. Mec. Non, non mais bon. Toi tu me les brises. Ah mais là le problème c'est que je peux pas clean. Bah oui regarde, c'est un escalier le machin. What the fuck, ils sont tous partis derrière. J'en ai eu... Ah j'en ai eu quand même quelques-uns. Ah mais c'est ce... En fait l'illusionniste et le chargeur ils étaient trop loin. Mais le sagittaire était là-haut. C'est pour ça que je l'ai pas touché. Je peux pas tout faire non plus hein. Je sais que je peux clean, mais j'ai des limites. Allez, le cancer. Vous voulez savoir pourquoi il est cancer? Eh bah, ben, c'est très simple. Une seule réponse. Ça! Putain, c'est long! Parce qu'en plus, il prend son temps derrière. Voilà. Bon. C'est bon, t'as fini? Et attendu, parce qu'il le refait toutes les 7 barres en plus. Allez, et de deux. Retiens-toi, retiens-toi, reste zen, Sky, reste zen. Ne tombe pas sous sa provoque. Non mais c'est long quoi. Oh c'est chiant les boss qui se barrent pendant un court laps de temps. Enfin là c'est pas court, le machin c'est 20 secondes quoi. Merde. Dans un combat il faut tout le temps être en mouvement. Je veux dire merde, tu t'ennuies là. Allez, une troisième fois pour la route. Allez, c'est la tournée. C'est-à-dire qu'il faut encore le refaire deux fois. Aïe. Tout ça pour prendre quoi? Zéro dégâts. Aïe. Faut juste faire des ronds. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de faire des ronds. Non, pas la pluie. Aïe. Aïe, aïe. Bon, allez, tu m'as saoulé. C'est tout saoulé. Les bons dégâts.
J'ai même pas vu s'il était critique. On va dire que non. Bon. C'est pas fini. On en a encore deux. Deux avalanches. Deux. Ah, c'est génial. Ah, rip mes dégâts parce que merci de mettre plus d'attaque magique que d'attaque physique dans les stats d'un perso physique. C'est très intelligent. Putain, c'est comme si je mettais plus d'attaque physique à un mage. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi là ils font pareil? L'orientation de mon personnage est physique. Certes, c'est une archère, mais pourquoi mettre plus d'attaque physique? Allez, c'est bon. Complete. Yes! Oh non! Ah, j'ai clairement pas envie de le faire sans le buff. On va quand même en faire un au moins. Parce que là, je crois qu'il faut le clear en entier. Ça va être une horreur. Une horreur, les gars, une horreur. Ah, pas lui! On s'en rappelle dans ma première série comment j'ai galéré avec les fameuses 10 quêtes. Vous vous rappelez des 10 anciennes quêtes? Oh, quelle horreur! 10 putains de quêtes dans ce donjon. Heureusement qu'on est passé à 3. Ouais, mais le problème c'est qu'il va falloir que je clear. Il faut que je... Oula. Ah oui, c'est vrai qu'il absorbe lui. Find Ran. Oh, attendez. On est... C'est un donjon marrant. Oh, j'aurais dû mettre les... Oh, j'aurais dû mettre les sons. Oh, ils sont tellement marrants les sons. Avec les voix anglaises. Parce que je veux montrer. C'est dommage. J'ai pas montré avalanche avec ça. Oh, ma première mort. Non, mais en même temps, t'as vu le donjon que c'est aussi. Ça va être trop long. Je pense que je vais laisser les sons maintenant. Ou pas. Parce que pour entendre ça horriblement... horriblement mal doublé, non merci. Ah mince, j'ai pas pris le cube void d'ailleurs. Ah bah si, il est là, je suis con. Oh putain, identification de merde. J'ai pas de quoi la passer P8. Aïe. Ah oui, d'accord, il faut que je le fasse en entier. Hein. Ouais. On le fait. Ah.
Super. La plupart des sons entre les versions NA coréenne et EU n'ont pas changé. Ah oui, d'accord, uniquement eux, hein. D'abord on clean. Important de bien clean. Et on enchaîne. Oh, il s'est pas tout pris. Bon, ça va pour l'instant, je gère. Mais contre Belmez, je vais douiller. Et j'aurais pas dû faire ça. Recharge mana, recharge vite. Oh non, c'est une blague. Si je m'approche, elle va me niquer. Bon, ça va. On repassera sur la voie, ok. On va dire que le doubleur était pas assez clean. Ouais. Oh non. Aïe 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 aïe. Cop mission has been complete. Please check your mail. Ok, on ira voir ça après. Il en reste plus que deux, hein. Oh ah, écoutez, écoutez-moi cette magnifique voix. Écoutez-moi ce... Vas-y, parle. Que je vous ai pas montré, mais Avalanche, il a une voix dégueulasse aussi, et le Maître des Ombres aussi, il a une voix dégueulasse. Allez voir sur YouTube. J'aurais dû mettre les sons en vrai. C'est tellement drôle. C'est quoi cette voix? Et tout autre. Ça, sa voix lui correspond tellement pas. Ouais, sa voix lui correspond tellement pas. C'est bon, on peut le tuer. Bon. Mais même jusqu'à sa mort, il a une voix dégueulasse. Attendez, c'est pas tout. Juste pour cette fois, enjoy. Enjoy la meilleure voix de Twilight Sword. Je me tais. C'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix? Quoi?
Oh my god. J'adore ce doubleur. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Oh my god, il a trop bu. Attendez, mais quand il fait son explosion magique, il a une voix magique aussi. Magic Explosion. Yo. Oh merde. Oh, cette voix, c'est la meilleure. En vrai, il me fait rien en dégâts. Je le démonte. Ouh là, c'est pas bon. Aïe! Non. Oh, ça suffit plus! Ah! Ça y est! J'ai coupé sa voix carrément, tellement je l'ai tapé. On se bidute pour ça, merde. Bam. 110. Ouais, mais je l'avais fait pour 300 aussi. D'ailleurs, dans deux niveaux, transcendance gratuite, les gars. Je vous ferai chier jusqu'au bout avec. Bam. Et rip la classe du personnage aussi. Hein. Où sont ses balls? Est-ce que si je fais ça... c'est nul. C'est nul. Complètement. Aïe, pourquoi je suis allé en arrière? Explique-moi. Allez, Call of Ruin. Bleu. Parfait. Zbleu. Reparfait. Ah, aïe. Non mais... tu meurs maintenant. Zbleu. Oh, il est même pas mort. Oh, cette blague. Oh, cette grosse blague. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Oh, il m'a défoncé. Oh non, je suis triste quoi. Il m'a tué avant de mourir. C'est pas grave, je reçois mes deux restes de nouveau demain. Je suis perdu à que dalle, quoi. C'est pas grave. Bam. Bon, j'évite les sons parce que bon... allez, on va les remettre. J'avais dit qu'on les remettait, on va les remettre. On va les mettre assez bas quand même parce que... voilà, ces saloperies de tracks sont des bruits un peu horribles. Ça peut pas être pire que Ran. Et la voix Claire de Reyna, vous la vouliez? Oh, j'ai grandi. J'ai rien entendu. Je sais pas pourquoi je préfère la voix française. Peut-être qu'elle est plus douce. Enfin, parce qu'elle est plus douce.
Là, pour le coup, c'est clairement la française qui gagne. C'est pour, je vous fais plaisir avec ce cadeau. Mais d'où? D'où il a des répondants, lui? Oh, il a foncé dedans. J'ai jamais vu ça. Enfin, si, mais bon, pas autant, quoi. Ouf. 200. Pour 200, on ferait n'importe quoi, n'est-ce pas? Enfin, peut-être pas non plus, mais quand même. Alors, Valdo sera mort avant la fin de mon booster. Cinématique! Oh, vite, vite! Rien. Chef a dit tuer. Et le coup final. Oh non, même pas. Déçu. Mission complete. Oula, oula, doucement. Les échos, très peu pour moi. Et ça, je dis non. It's time to choose. Oui, ben écoute. Fermez vos. Non, 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 allez-vous-en. C'est quoi ça? Ah, c'est la quête de compétences. Alors ça c'est une armor et ça c'est une weapon. Demon Rider, ok. Ça du coup on vire. Ça on utilise. Bien écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous avez aimé, hein, si c'est le cas, comme d'habitude, machin, machin. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye tout le monde. Sur ce, c'était Sky, accompagné de Rias, Eris, Diaz, R-E-D, Red. Allez, bye tout le monde.